Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, alors j'ai un peu de retard. j'ai eu pas mal de taf avec la boutique et tout. Donc du coup en fait les ouvertures ne correspondent plus du tout aux dates de sortie. À savoir que là du coup c'est sorti le 26 octobre hein, mais du coup voilà. On est loin du 26 octobre. J'ai trop de retard sur mes ouvertures de boîte, sur même du coup mes vidéos YouTube, hein, donc je m'en excuse. Donc c'est normal si du coup voilà je vous la présente que maintenant. Et d'ailleurs je vais vous présenter aussi les autres dans les prochaines vidéos, donc parce que j'ai Ronflex et Pikachu. Donc voilà, j'espère pouvoir à un moment donné rattraper en fait ce retard, parce qu'il y a quand même EB12. Donc bah voilà, on va essayer de rush pour que voilà là bah, après ces vidéos de Pokébox Pokémon Go, j'ai au moins essayé de rattraper et limiter la caisse. Pour pas vous présenter EB12 à Noël en fait, ce serait un peu con d'avoir une ouverture de TB qui sort le 25 novembre que je n'ouvre que le 26 décembre quoi. Donc bon bah c'est parti. Alors du coup petite Pokébox, donc elles sont sorties hein, pas de surprise. Donc l'Euphorie, Ronflex et Pikachu, elles sont stylées. Franchement, moi, je les trouve trop belles. Bien sûr, je les ai prises parce que j'essayais encore d'avoir mon Mewtwo. Puis bien sûr, je collectionne aussi les boîtes, hein, donc attention. Et du coup, voilà, un petit bonus que j'avais pris. Alors oui, c'est rien d'extraordinaire, mais du coup, ça me permet d'avoir les trois piafs en... Je vais m'en sortir en holo, voilà. Donc voilà, parce que bon, bah, c'est pas pour le jeton, parce que on l'a déjà en un milliard d'exemplaires. Et du coup, voilà. Et puis ça permet par contre. Bah, je vais réussir, vous inquiétez pas. Ça me permet du coup d'ouvrir deux petits astres radieux. Voilà, ça fait un petit moment. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. On vous ouvre tout ça et puis on va ouvrir les boosters tranquille. Bon, voilà, alors du coup, la jolie petite Pokébox. Alors attention, parce que je crois que ça, c'est pas normal. Moi, j'ai des petits points qui s'enlèvent pas sur ma Pokébox. Parce que elle reste clean, mais là, c'est pas ouf, hein. Donc, du coup, hop, le petit Luffy. Ah oui, c'est vrai, on a une carte. Alors, attendez, moi, je découvre. Alors... Du coup voilà, il est comme ça le petit Euphorie. Et on a une carte derrière, c'est un petit Pikachu normalement. Une carte promo. Waouh. Ah mais oui, c'est cette fameuse carte promo qu'on voyait partout. Ah trop stylée. Eh mais je regrette vraiment pas. Elle est trop belle cette carte promo Pikachu là qui va du coup avec Bulbizarre, Carapuce et Salamèche, des Pinbox. Trop bien. Et du coup je vais l'avoir en triple exemplaire. Parce que si j'ai bien compris, elle est dans toutes les Pokébox. Waouh, trop belle. Elle est trop mignonne. Alors du coup, on a quoi? Moi, je découvre, on a des petits stickers. Du coup, à l'effigie de Ronflex, Euphorie et Pikachu. Ok. Enfin, comme d'habitude. Comme d'habitude, du coup, hop. Alors, attendez. On a... ça, je vous fais cadeau. Alors, pour ceux qui veulent, voilà. Hop. Alors attendez, je vais mettre ça là parce que... Ah ouais, ça par contre, ça c'est de la Pokébox. Quand on se retrouve avec 4 boosters de la même extension, c'est le Graal. Vive les points 5. Hop. Bon, on va ranger tout ça. C'est top. Alors, pour rester dans l'Euphorie de... Alors attendez, c'est vrai que les piafs, je ne les ai pas montrés. Hop. Du coup, ça c'est Évolution Céleste. On a le Sulfura. Et l'Électeur. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, oui, je vais m'en sortir. On va d'abord ouvrir les Astres Radieux. Et ensuite, je vais faire un beau kiff sur les 4 boosters Pokémon Go. Alors, Astre Radio, bon, il y a pas mal de cartes qui me manquent. Donc, soit j'ai de la chance et je tombe dessus, soit bah tant pis. Hein. Je suis pas là pour faire le Buster Set de Astre Radio. Et on commence avec un code blanc. Donc, voilà, ça en dit long. Furéglon, Ponyta, Brindibou, Arkéo, Myr, Moustillon.
Dinoclivier, Selena, Chaffreux. Oh, je suis allée vite, pardon. Kayena, donc la TG9. Et ben, du coup, ce petit code blanc, j'ai été vraiment mauvaise langue. Et du coup, on termine avec Regidragon. Hop, par contre, je l'ai, je crois. Peut-être, je l'ai déjà tombé. Il me parle beaucoup, cette carte. Voilà, Grayena. Sympa. Bah, ça commence bien. Cette ouverture commence bien. Et encore un code blanc. Bon. Je pense pas avoir de la chance deux fois de suite. Simulabre, Apitrini, Tarsal, Goupilou, Togepi, Melocric, Turbo Patience, Matloutre. Voilà. En reverse, on est sur Chaussures de Randonnée. Et on termine avec Arcanin de l'Esprit. Voilà, voilà. Bon. Allez, on va se concentrer sur ça. Je cherche toujours mon Mewtwo alternatif. Il veut pas tomber. De toute façon, là, il manque... Il me manque que les alternatifs. Deux Rainbow et une Gold Card, je crois. Donc, il manque pas grand-chose. Il y aura une petite carte des stars. Mimigal, Poichijon, Ratata d'Alola, Sauf-Kipou, Pikachu, Pokéstop, Défaisant, Moduleur. En reverse, on est sur Kenodor et c'est une vraie reverse, c'est pas une métamorphe. Et on... Oh, ah bah du coup, je l'ai, hein. Je l'ai en... C'est ma troisième exemplaire, je crois. Noix de coco, du coup. D'Alola V. Mais, on retiendra que du coup, on vient de tomber une petite ultra. Voilà. Les V sont pas très chers, hein, clairement 2-3 euros les cartes, mais ça fait toujours plaisir à tomber. Voilà, elles font partie de la collection et sont toujours assez stylées. Ah, il a pas voulu s'ouvrir correctement celui-là. Il veut pas, ah c'est bon. Il voulait pas me donner les cartes. Meltan, Salamèche, Capulmain, Bulbizarre, Poichijon, Capitaine d'Equipspark, Le Venard, Stylix. Hop, en reverse on est sur Camerupt et on termine avec Ronflexolo. Ah bah il s'ouvre mal aujourd'hui des petits boosters. Umbrillex, Natou, Capidex, Tramolos, Castorno, Zatu, Flagados, Celeroc. En reverse, on est sur Magikarp et on termine avec Léviathan Rouleau. Bon. Après, c'est des Pokébox, hein, c'est pas un ratio extraordinaire, malgré que c'est qu'une petite collection de 80 cartes à peine. Sans parler bien sûr des secrets et tout, hein. Quand je dis 80 cartes, c'est le set de base. Allez, une petite carte que j'ai pas. Ratata d'Alola, Sauf-Kipou, Pikachu, Carapuce, Tenotor, Carabaf, Capitaine d'équipe Candela, Air Bizarre, en reverse on est sur l'Euphorie et on termine voilà avec l'Euphorie Holo. Bon. Du coup, bah, c'est l'Euphorie qu'on a ouvert et l'Euphorie ne l'a pas donné grand chose. Bon, une petite carte V en plus du coup de sa petite carte du coup de la Pokébox. Donc, et bien sûr, de ce petit Pikachu. Hey, il est trop mignon avec son petit cadeau sur la tête là. J'adore ce petit Pika. Donc voilà. Et puis, bah, du coup, les Astres Radieux m'ont donné Grayena. De coup la TG09. Du coup voilà, bon bah moi en attendant je vous invite à liker, commenter et partager. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Au revoir tout le monde.